Eh bien, bonjour à tous, excellent réveil, bienvenue, bonne matinée et bienvenue sur Canal. Vous regardez l'ancêtre d'Internet, bah oui, ça c'est vrai, c'est pas moi qui l'ai inventé en plus, mais vous regardez surtout Canal. Nous sommes en direct du 21 boulevard des Martyrs et on se retrouve ce matin ici dans le Bonjour d'Algérie avec qui? Bah avec toute l'équipe des chroniqueurs, vous le savez depuis un moment déjà, l'émission est bâtie sur l'ensemble des participations des uns et des autres, et notamment ceux qui viennent nous raconter leur expertise. Alors quelquefois, c'est intéressant à découvrir, et ça tombe très bien, aujourd'hui on va parler santé. Elle sera avec nous d'ailleurs, Dr Wydad Agabi, elle est là tous les samedis, et avec elle, on va parler de la leptospirose. Ça vous dit quelque chose ou pas? C'est peut-être à découvrir. Si vous n'en savez rien, bah c'est peut-être l'occasion de découvrir un peu tout cela. D'où ça vient? Ça touche à quoi exactement? Comment ça se soigne également? Ce sera avec Dr Wydad Agabi, médecin interniste, ici sur Canal et dans le Bonjour ce matin. Djalil Meraska, avec lui, on va parler de manger avec plaisir. Vous savez que ça existe ou pas? Manger avec plaisir, manger sans se priver, dans un monde qui ne s'intéresse qu'à la carrosserie et qui oublie la matrice principale, dans un monde où on s'intéresse qu'au physique et on oublie ce qui existe dans le cerveau, et ben c'est peut-être l'occasion aujourd'hui de faire du bien aux deux catégories. J'allais dire les beaux et bêtes et les gros et intelligents. Non, je rigole, bien évidemment. Il y a beaucoup d'intelligents très beaux. Il y a beaucoup de gros très bêtes. Il y a un peu de mélange de tout. C'est ça la nature en même temps. Alors du coup, ce matin avec Djalil Meraska, on va s'intéresser à manger avec plaisir. Comment manger avec plaisir? Ouais. Manger quoi avec plaisir? Ah ouais. Est-ce qu'on peut manger tous les jours avec plaisir? Est-ce que manger du chocolat, ça reste dans le cadre de manger avec plaisir? Bah, tout cela va être posé à Djalil Meraska. Toutes ces questions, elles seront développées avec lui. Dee Artist, eh oui, elle sera avec nous, elle aussi, Dia, qui va nous parler des pellicules. Ça vient d'où? Ça vient de votre alimentation? Ça vient du fait que vous touchiez vos cheveux? Ça vient de votre cuir chevelu? Ça vient de où exactement là, les pellicules? Comment ça se traite aussi? Est-ce que c'est dangereux? Ah oui, trop de pellicules, est-ce que ça fait chuter les cheveux ou pas? Ben, on en parle ce matin avec elle. Le char, à l'honneur comme tous les samedis, avec notre amie Dia. Non, avec elle, on va parler aujourd'hui de dépollution de l'air et puis on enchaînera tout à l'heure avec qui? Avec le sport. Et oui, elles font leur grande rentrée ici sur Canal et dans la matinale notamment. Elle s'appelle Sarah Derbal, elle s'appelle Linda Taboul. Alors, toutes deux font partie de l'équipe sport de Canal avec Sœur. Sœur Hakim Kchlout. Sœur Hakim Kchlout. Sœur à l'anglaise, hein, pas sœur Sœur. Non, non. Ce sera l'occasion de retrouver donc nos camarades elles-mêmes de Hakim Kchlout et de Mortal Hamani sur le plateau ici ce matin. Elles vont nous parler de sport. On va parler de l'actu du moment, et on va vous les présenter ici sur ce plateau, histoire de leur faire leur baptême de feu ici sur Canal et dans le Bonjour d'Algérie. Voilà, bienvenue à vous tous, bienvenue sur Canal, bienvenue dans la matinale. Nous, on est ensemble jusqu'à 10h30 et sans plus tarder, c'est la météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aïnama Kuntum. Et réveil perturbé ce matin sur la capitale et dans plusieurs villes du pays. La météo de ce samedi 23 novembre, c'est avec vous. Bonjour, Bonjour à Fayel. vous, Mahrez, et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous, ravi de vous retrouver. En effet, nous avons eu un réveil perturbé sur l'ensemble des régions du Nord. Il a beaucoup plu et ça va se maintenir encore aujourd'hui. Météo Algérie prévoit un temps instable, perturbé avec des pluies sous forme d'averses orageuses, assez marquées sur les régions côtières et proches côtières du centre et de l'est, avec des vents assez forts atteignant les 60 km/h. L'amélioration est prévue à partir de l'après-midi à l'ouest en fin de journée. Vers le centre et l'est. Les éclaircies, elles seront de retour au fil des heures. Et puis sur la partie sud, on entre un ciel souvent voilé au nord Sahara jusqu'au sud des oasis, avec possibilité là aussi de quelques faibles pluies, cette fois-ci vers les oasis. À signaler encore une fois aujourd'hui des vents assez forts, atteignant les 60 km/h sur l'ensemble des régions côtières. Le Sahara central, des soulèvements de sable sont prévus vers le Sahara central, remontant parfois jusqu'au sud des oasis.
nuages. L'atténuation est prévue au courant de la soirée sur l'ensemble des régions côtières. Et puis le soleil s'imposera généreusement sur la partie sud. Les températures, les voici. Elles vont baisser par endroits, surtout à l'intérieur du pays. 9 pour Betna, 12 à Djulfa, 11 degrés Sétif, Rélizin-Schleuf, 17 cet après-midi à Tlemcen, il fera 19 à Alger, 20 à Nabaskikda, 18 à Oran, sur la partie sud, un minimum de 15 degrés à Biskra, 24 à Becha, 26 à Tindouf, 27 à Drar In Salah Elizi, 23 à Gherdaya et un maximum de 35 degrés pour l'extrême sud. Place ce matin au continent européen. Aujourd'hui, le temps sera variable. Le soleil s'imposera vers l'est. En allant vers l'ouest, le temps sera couvert et pluvieux à Paris, à Berne, à Marseille. Côté température, 11 degrés pour Londres, 9 sous un temps couvert et pluvieux à Dublin, 10 degrés à Bordeaux, 16 à Marseille, 11 à Madrid, 16 à Lisbonne, 8 à Copenhague, 11 à Berlin, 9 à Prague, Budapest, 3 Bucarest, Varsovie, et enfin, c'est le minimum. On termine ce bulletin météo avec l'éphéméride. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 17h36. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 www.météoalgérie.dz, qui est mis à votre entière disposition. Je vous remercie pour votre attention. Excellente matinée avec vous, Mahlès. Prudent sur la route et à tout à l'heure. La météo vous a été présentée par Mobilis. Mobilis, Ainamakuntum. Voilà, une nuit un peu agitée, avec un réveil un peu perturbé, puis des améliorations déjà dès la matinée sur l'ouest du pays. Et en fin de journée, ça devrait toucher les régions du centre et de l'est. Merci à vous. À midi, le rendez-vous complet. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec toute l'équipe du matin. Widad Agabi, Dr Widad Agabi, Jalil Merazka et Dia sur ce même plateau. Dans quelques instants, juste après qui ? Ben, Hachmi Grouabi. Feu Hachmi Grouabi. Ouais. Allez, c'est bon. قلبي محروق وعدم صبري وضحيت كي يطير الحاصل يا لا يملا تلومني قلبي محروق وعدم صبري وضحيت كي يطير الحاصل فنيت ولا بقاتني قوة في الروح يا ولي ماذا قصار بي ايثما اتبر من حبك يا الريم من حبك يا الريم ضحكتي الجافل يا ليل يا ليل يا ديل العين للعين ميزان والقلب للقلب فاز البيب تجلبوا بالحسان وتهربوا بالمواجع شحال قديمة كيف ننسى ليام السنين يا الغنجة بنت العاصيمة عليك فاني مغروم حزين في
بالجزد نازلين. وحشت بها دقيقة نحسبها السنين يا البه يا باغي نلقاك في القصبة سكن الزين والعجر يسلب بالعينين والعجر يسلب بالعينين كيف ننسى ليا بالزينين عليك فاني مغروب حزين في البهجة زنلتني Vous l'aurez compris, c'était pas Fouach Mikrouabich, c'était Abdelkader Chao et longue vie à lui, pleine de succès et de réussite encore, en espérant que
que vous aurez la chance, pour ceux qui ne l'ont pas encore croisé sur scène, de le croiser, de le découvrir, parce que vous allez voir un personnage exceptionnel. Et un homme exceptionnel au grand cœur, d'ailleurs. Alors, excellente matinée à vous tous. Ce matin, ce samedi matin, elles sont avec nous aujourd'hui. Docteur Agabi, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va bien? Ça va, merci. Dia, bonjour. Bonjour, bonjour Mahrez, bonjour l'équipe, bonjour à nos Comment amis. Ça va bien? Ça va, merci. Eh bien, super. Jalil Miraska, bonjour. Bonjour, ça va? Comment ça va? Très bien, ok. Avec les hommes, on peut couper le bonjour. Ok. Bonjour, sec. Bonjour. Voilà, bonjour. Ça va bien. Ouais. Et c'est là où tu vois la différence, tu vois. Alors qu'avec les femmes, t'es obligé de prendre la de chantonner un peu ton bonjour. Bonjour. C'est moins agressif. Oui. Parce que des fois, la femme est sur la défensive. Je sais pas si tu le sais, si tu l'as vécu, mais t'es obligé à des moments de faire avec. Donc du coup. C'est vrai. Mesdames, ça va? Très bien. Eh ben super. Alors du coup, bah, c'est un plaisir de vous retrouver comme ça tout samedi. Ce matin, donc, Dia, on va parler de pellicule tout à l'heure. Tout à fait, et de démangeaison du cuir chevelu. C'est quoi, c'est des saisons ou est-ce que ça peut venir à tout moment de l'année? Ah, on va en discuter. Oui, ça peut être durant toute l'année et aussi en hiver aussi. Ça peut être un facteur externe. Il y a d'autres facteurs intéressants. Manger de manière saine, mais avec plaisir, ça existe. Oui, ça existe. C'est fou, hein? On a l'impression que manger sainement, c'est forcément se priver. C'est une impression. C'est une impression. Ouais. Ouais. C'est quoi? C'est manger des brocolis et se mettre dans la tête, je vais bien, tout va bien, c'est bon. Alors c'est plus psychologique en fait, ah on ouais. va en parler. Ouais, d'accord. Le bienfait est plus mental. C'est... Et ben, on va en parler ce matin. Okay. Non, on va pas commencer avec ça. On va commencer avec une pathologie. Alors je sais pas, tiens, vous allez peut-être nous expliquer, parce que nous, vous savez, on dit des choses et puis on ne sait pas, on ne les maîtrise pas forcément. Docteur Agabi, pathologie, maladie, la différence entre les deux? Ben, la maladie, donc, c'est un ensemble de symptômes pathologie. Je vais expliquer pathologie pour arriver. Allez-y, plus simplement du monde. Hein. Alors, plus simplement pathologie, ça peut être... épidémie, endémie, donc ça peut évoluer vers ça. D'accord. Par contre, maladie, on a des maladies orphelines, des maladies qui sont transmissibles, des maladies... Donc, il y a une différence entre les deux. Et donc, aujourd'hui, par exemple, sur la leptospirose, oui. on va parler d'une pathologie ou on va dire on va parler d'une maladie? Pathologie. On va parler d'une pathologie. Pathologie, oui. Qu'est-ce que la leptospirose? Alors, la leptospirose, donc, c'est une maladie qui existe partout dans le monde. Ouais. Donc, le plus souvent en zone tropicale humide ou zone subtropicale. Donc, elle peut survenir tout au long de l'année, mais avec donc, une augmentation de fréquence en été, en automne et dans les périodes de grandes pluies ou des inondations. Elle est appelée la maladie du rat. Donc, D'accord. Pourquoi on l'appelle maladie du rat? Parce que donc, c'est une maladie infectieuse bactérienne. D'accord. Qui se transmet donc, par une bactérie. Elle est due à une bactérie qui s'appelle la leptospire. Et cette bactérie, elle est transmise à l'être humain via des animaux, les mammifères, et principalement ce sont les rongeurs. D'accord. Donc les rats. Les rats, forcément. Exactement. Donc qu'est-ce qui se passe chez ces rats? Oui. Quand ils sont contaminés, il y aura cette bactérie qui sera stockée au niveau des reins. Oui. Et elle sera éliminée par les urines, donc dans l'environnement, le sol, les eaux douces, sur la nourriture. Et c'est à partir de cet environnement que l'être humain pourra être contaminé. D'accord. C'est une maladie qui est grave et donc qui peut être mortelle dans 10% des cas. Les chiffres qu'on a dans le monde, c'est plus de 1 million de cas graves de leptospirose, donc pas de cas de leptospirose, cas grave de leptospirose, et elle peut donner un décès dans 60 000 cas. On a eu 60 000 cas par an de décès par leptospirose. D'accord. Donc c'est une maladie qui n'est pas si anodine, c'est pas une simple infection. D'accord. Voilà. Vous avez parlé de climat tropical et subtropical, et pourtant ça touche aussi à l'Algérie, quoi. Ça touche aussi l'Algérie. Donc, il ouais. y a aussi en Algérie, on a le changement climatique. On est en train d'observer ça ces derniers moments. Et donc, déjà en ce moment-là, il y a les pluies, toutes ces intempéries qu'on est en train de vivre en ce moment-là, les inondations. Donc, on a dans plusieurs quartiers, déjà ici à Alger, il y a des inondations suite à des égouts qui sont bouchés. D'accord. Donc, et là, quand il y aura des inondations, il y a la maladie qui se transmet. D'accord. Il y a aussi des... Il y a
c'est une maladie qui est négligée. On va dire que les moyens de prévention, on n'informe pas trop par rapport à cette maladie. Donc d'accord. C'est le but de parler de ça aujourd'hui, par rapport aux moyens de... Parce qu'il y a ce qu'on appelle des professions à risque, il y a certaines activités de loisirs à risque, donc tout ça n'est pas... Comme ? Alors les professions à risque, donc la maladie, elle se transmet déjà par, donc la bactérie, elle va pénétrer à l'organisme par plusieurs manières, déjà à partir de la peau. Donc soit il y aura une plaie ou une égratignure, donc la bactérie pourra rentrer dans l'organisme par les yeux, la bouche, le nez. Et ce qu'on va dire, cette bactérie, est, on va voir cette maladie plus chez certaines personnes. On a dit les professions à risque, notamment les agriculteurs, les éboueurs, les égoutiers, donc les chasseurs, donc pêcheurs. Les jardiniers. Ceux qui travaillent dans les entrepôts, dans les ports, dans les... Exactement. Donc le jardinage, que ce soit professionnel ou en tant que les gens qui font le jardinage comme ça, comme amateurs, aussi ils sont exposés à ça. Et surtout on a vu ça chez les personnes âgées. Ouais, donc ça. Ils restent beaucoup au jardin, ils sont là à manipuler les plantes sans se protéger les mains et sans se protéger les pieds. Et on a eu des cas... De leptospirose. Oui, on a eu une personne âgée, une vieille, qui a eu une leptospirose juste en contact avec les plantes. Yeah. On est en train de voir des schémas depuis tout à l'heure, comment se transmet la maladie. D'ailleurs, c'est très intéressant à découvrir. Maintenant que deviennent, tu te rappelles de cette chanson d'hier, ouais, c'est la plus vieille. C'est normal que je te pose la question à toi. Oui, oui. Si tu t'en rappelles? Oui, bien sûr. Oui, c'était qui? C'était qui? Ah non, je suis mauvaise avec les noms. D'accord, il s'appelait Feldman. Alors du coup, on a vu le schéma. Oui. C'est très bien. Maintenant, quand la maladie se déclare, quels sont les signes? J'ai oublié de dire qu'il y a des activités de loisirs. Les baignades en eau douce, ou bien les activités de kayak en eau douce aussi, d'accord, ça expose au risque. D'accord. Donc c'est important de la signaler. Ouais. Vous y pensez? Moi je pense, je fais du kayak, mais je ne pensais pas qu'on pouvait s'exposer à ce genre de... En eau douce. Faites en eau douce ou en eau de mer. C'est pas pareil. C'est toujours bon à savoir. Mais par contre, ce que je me rappelle, c'est des sodas. Nous disait souvent... Parce qu'on disait, les rats faisaient pipi sur les canettes. Il fallait les rincer. Et il fallait les rincer. Avant de boire directement. C'est important, parce que d'où les activités dans les entrepôts, dans les ports et autres. Il y a eu beaucoup de cas dans certaines villes, notamment à Béjaïa à une certaine époque, à Alger aussi. À Tizi Ouzou aussi. On a un camarade aussi qui est décédé suite à la leptospirose, qui était dans son jardin, qui avait des agrumes dans son jardin, donc des citrons, des oranges, des limes et autres. Mmh. Et il est décédé de cela. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle je vous parle de symptômes. Mmh. Parce que quelquefois, on ne remonte pas jusqu'à la leptospirose. C'est ça, c'est le gros problème de cette pathologie. Donc, les symptômes, j'allais dire que ça ressemble à tout et à rien. Ça peut être des symptômes qui ressemblent à une grippe, à une hépatite. Donc, la personne, elle peut sentir, donc, avoir de la fièvre, des maux de tête, des courbatures. Dans les cas graves où le foie sera touché, ça peut donner donc, de la jaunisse, comme dans l'hépatite. Ouais. Ça peut donner une insuffisance rénale. Et les gens, ces malades-là peuvent aller jusqu'à la dialyse et peuvent rester en dialyse. Ah oui. Ah oui, ils peuvent garder cette insuffisance rénale au long terme, donc comme ça, à vie. Ils peuvent rester en dialyse et ça peut toucher le poumon, ça peut toucher le cerveau et peut être mortel, on a dit dans 10% des cas. Ouais. Donc il faut consulter et même nous en tant que médecin, il faut y penser. Il faut toujours signaler à son médecin que voilà, il y a eu un contexte épidémiologique. Voilà, j'étais en contact avec... des fois, on a eu des patients qui ont fait par exemple le ménage dans la cage des escaliers du bâtiment. Et là, quand c'était les inondations et tout, ils ont eu, on a eu un collègue qui a eu cette maladie à cause d'un ménage qu'il avait fait. Donc, en fin de compte, une route cabossée, un peu trouée, une pluie passagère et puis bourka, comme on dit.
avec des eaux stagnantes, ça contamine les rats vont contaminer autre chose et ça finit chez l'homme. Exactement. C'est fou. Hein. Ouais. Mais le problème, c'est que si vous ne passez pas par un interniste qui, lui, a le réflexe d'aller explorer, si vous tombez sur un spécialiste, vous vous dites j'ai une grippe. Quoi. Ouais. Il ne va pas aller forcément chercher la leptospirose. C'est ça. Donc on n'y pense pas souvent, sauf quand c'est un tableau, ce qu'on appelle les tableaux graves. D'accord. Le tableau ictéro-hémorragique. Donc c'est, en général, ils ont des symptômes de l'hémorragie et avec de la jaunisse. Et quand il y a une insuffisance rénale aussi, de la fièvre, donc atteinte rénale, atteinte du foie avec de la fièvre, donc on y pense. En général, ça peut être asymptomatique, ça peut passer inaperçu, ça peut donner des symptômes banaux, ça peut évoluer vers des symptômes graves. Donc il faut y penser. En tant que médecin, il faut y penser. Mais en tant que malade, il faut consulter, il faut rapporter la notion donc, de l'exposition à déjà la profession, de dire que je suis professionnel dans les éboueurs, par exemple, et tout. Et quand c'est à la maison aussi, il faut raconter la dernière semaine. Quoi. C'est... Pardon ? Il faut raconter la dernière semaine, voire les deux dernières semaines de sa vie. Un mois, carrément. Oui. Ah, la pathologie, le virus peut être dormant dans votre corps pendant un temps. Voilà ce qu'on appelle la phase d'incubation. D'accord. Donc ça peut aller de 14 voire un mois, 14 jours voire un mois. Comment ça se traite ? Alors, le traitement, c'est par antibiotiques. C'est une infection bactérienne, donc il faut des antibiotiques. C'est en intraveineux et il faut qu'il y ait une hospitalisation. Ça implique une hospitalisation. Et la guérison, elle est, ça prend du temps. Ça prend du temps, oui. Même, je vous ai dit que tout à l'heure, il y a des malades qui peuvent aller vers la dialyse. Ça peut prendre du temps en dialyse. Ils peuvent récupérer, ils peuvent... Ouais. Regardez cette insuffisance rénale. Oui. Mais le point le plus important, c'est la prévention. Oui. C'est comment éviter cette maladie, justement. C'est ça. Et pour éviter cette maladie, il y a deux points importants. D'abord, que la commune fasse son job. C'est ça. Qu'elle aille reboucher les trous. C'est qu'elle aille éradiquer les rats qui se trouvent dans tous les quartiers aujourd'hui. Dès que vous avez une poubelle, vous en avez, mais des rats qui font peur aux chats. Oui, c'est ça. Ça, je le vois. Je l'avais vu. Je le vois au quotidien. Oui, Saïd Hamdi. Mais je le vois au quotidien. Vous allez à Saïd Hamdi, c'est une catastrophe. Vous avez des peines à ordures. Le nombre de rats qui s'y trouvent est plus important que la quantité de déchets que vous allez y placer. Quoi. C'est, c'est affreux, ça. C'est un vrai problème, justement. C'est l'occasion pour lancer un appel aux collectivités. Aux collectivités avant tout. Locales, par rapport... déjà, il y a des mesures de prévention, notamment la dératisation. Ouais. Il y a le contrôle de déchets. Il y a aussi, en cas d'inondation, par déjà refoulement d'égouts et tout, il faut aller déboucher et maîtriser ces inondations. Et il y a aussi la prévention, elle peut être à l'échelle personnelle. Donc la personne, elle peut se protéger elle-même. Elle peut, par exemple, les professions à risque, se protéger en portant ce qu'on appelle porter un matériel se protéger contre cette maladie par des gants, des bottes, des lunettes, parce qu'on a dit que ça se transmet par les yeux aussi. Et par rapport aux baignades, aux activités de loisirs, éviter d'être en contact avec les eaux douces, de se baigner dans les eaux douces. Protéger aussi les plaies, quand on a une plaie. Et pour le jardinage, utiliser des gants et les bottes aussi. On ne peut pas guérir sans prise en charge médicale. Ah oui. Ah oui, non, c'est impossible. On a dit que ça peut passer inaperçu. Les symptômes peuvent être des symptômes comme ça banaux qui passent inaperçus et sans mourir. C'est l'organisme qui va. D'accord. Sont asymptomatiques. Ça dépend du. Oui. De l'organisme des uns et des autres. Ça dépend de la souche parce qu'il existe de 300 sérotypes de leptospire. Ah oui, quand même. Ah oui, et ces derniers temps, on a remarqué déjà à l'hôpital qu'il y a eu de nouvelles souches qu'on n'a pas l'habitude de les voir ici en Algérie. Oui. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Vous lavez vos canettes avant de boire Oh ben attends, à qui je pose la question? Calmeraska, le coup du coca, vous ne l'avez plus dans la bouche depuis 25 ans. Je suis humain. Mais... Ah, vous buvez quand même? Justement, on va en parler. Ah, vous buvez. Ah ouais. Un plaisir peut-être à déguster. Bah, je vous jure que je connais un gars comme vous. Ok. Sincèrement, comme vous, hein.
comme vous, ah, peut-être un peu plus grand, mais comme vous, exactement comme vous. Et un jour, il a bu le coca devant moi. Mmh. Il a bu le cola. Allez. Le cola. Je vous jure, il avait 30 ans. Hein. Il avait 30 ans. Il m'a dit, mince, ça existe. Il découvrait le coca. Ouais. Sincèrement. Et c'est pas comme moi, non. C'est, il est pas comme moi. Non, non, non. Il découvrait, je vous jure qu'il découvrait le... À 30 ans, à la fin de sa carrière sportive, il a décidé d'en goûter. J'ai eu la chance d'y être. Et il me dit, mon Dieu. Mais il me dit, c'est pas bon, ça. Il me dit, ça, c'est pas bon. Comme ça, c'est pas bon. C'est dangereux. Alors, du coup, bah, c'est très bien. On va y revenir dans quelques instants. Moi, je suis certain que par rapport à ce qui, par rapport au timbre, j'écoutais attentivement, et je suis certain que ma mère, elle suit de près le sujet. Parce que faut rappeler que votre mère est maître assistante en infectiologie. Ben voilà. Ah, à l'hôpital de Qatar. Voilà. Si vous allez à Qatar, vous demandez Madame Meraska. C'est Madame Toumi, en fait. Ah, mais, Madame Toumi Meraska, docteur, je suis envoyé par votre fils. J'ai regardé son émission ce matin. C'est ça. Et donc du coup, ah bah oui, c'est un thème qui doit forcément toucher le Qatar. On en a parlé déjà. Les services d'infectiologie. J'ai une idée sur. Ouais. Donc c'est vous lavez vos aliments, vous lavez les produits que vous achetez de l'extérieur. C'est vrai qu'il est important ça. Le côté préventif, il est toujours. Il est important. C'est la chose la plus importante. Chère madame, on va passer à vous en fin de compte. Mm-hmm. J'ai envie de laisser Janine pour plus tard. Très bien. Alors on va parler des soins capillaires et ça tombe très bien. On va parler de pellicule. Oui. Alors, en un mot, ça vient d'où? Je veux savoir ça, après je passe le reportage et je reviens à vous. Ça dépend en fait de la nature du cuir chevelu. C'est ça, je posais la question tout à l'heure. Je disais, est-ce l'alimentation? Ah, c'est pas ça. En partie. Ah aussi. En partie, mais il y a un facteur d'accord. Dormant qui alors, je disais, est-ce le fait de se toucher les cheveux, de se triturer? Mon père a passé sa vie à me dire, te triture pas, tes cheveux vont tomber. Et je le regardais, lui, qui était déjà chaud, et j'étais en train de me dire, ne te trouve pas d'excuses, c'est toi le problème. C'est toi le problème. Je te déteste, papa. Je rigole, s'il me regarde, je tiens à lui dire que je détesterai jamais. Alors, du coup, et la troisième partie, je disais, est-ce en fin de compte le cuir chevelu? Et vous répondez? Voilà, en partie, bien sûr, c'est la nature du cuir chevelu. Il y a d'autres facteurs qui influent. Ouais. On va y revenir dans quelques instants. Bien sûr. Vous les avez perdus à quelle heure? À quel âge? Les cheveux. Les pellicules ou les cheveux? Les cheveux. À quel âge? C'est une très bonne question. Ouais. Récemment. On ne s'en rend pas compte. Hein. Oui, c'est vrai. C'est que ça part progressivement, regarde. Une dizaine d'années. Ouais. C'est fou. Hein. Ouais, on pourra en parler la semaine prochaine. Un peu moins de 10 ans. De la chute des cheveux chez les hommes. L'origine, etc. Ouais, donc il y aura un exemple devant vous. On fera ça. Ça sera génial. Concrètement. Deux. Deux, ok. Il va nous donner les astuces, Mahalous. Ah bah, tu crois quoi? Tu crois pas que j'ai quelque chose? Non. Alors là, t'as les cheveux fins avec une couleur un peu plus claire, c'est fini. On va suivre un reportage signé Maya Amrani. Maya Amrani qui nous parle ce matin, d'ailleurs, des soins pour les cheveux. Et on se retrouve juste après pour parler, effectivement, aujourd'hui des pellicules. On va parler du cuir chevelu, on va parler de comment traiter, on va parler de comment éviter ces pellicules, comment les diminuer, comment traiter un peu tout cela. Et est-ce dangereux, en réalité, d'avoir beaucoup de pellicules? Je vous dis juste une chose, quand tu as beaucoup de pellicules, inquiète-toi pour la suite. On y va, on se retrouve juste après, c'est Maya. Bonjour Maya. Bonjour. Soumise à de nombreuses agressions, notre chevelure s'abîme, la structure capillaire s'altère, laissant nos cheveux ternes et fourchus. Pour apporter une meilleure solution à tous ces problèmes, Imen, spécialiste des soins capillaires, nous explique. Alors, comme je vous ai dit, Maya, on est un institut spécialisé dans les soins capillaires. Alors, on a différents soins capillaires, soins hydratants, soins botox, soins détoxifiants, soins à base d'une huile d'açaï, qui est un soin spécifique pour cheveux secs. Alors, aujourd'hui, on va voir par rapport aux besoins de la cliente et sa nature des cheveux. On fait aussi tout ce qui est lissage organique, différentes protéines et la tanninothérapie. Là, par rapport à la nature des cheveux de la cliente, on voit qu'elle a des cheveux gras, des cheveux raides, en même temps un petit peu abîmés au niveau des pointes. Elle a aussi une chute de cheveux. Alors du coup, on lui a conseillé aujourd'hui de faire un soin Botox.
C'est quoi notre soin Botox? C'est un soin rajeunissant à la manière des injections pour le visage. Il est à base d'acide hyaluronique, d'argile blanche et de kératine. C'est un soin qui va favoriser la repousse, qui va restructurer le cheveu et le renforcer, en même temps le réparer. Là, c'est la première étape du soin. On va commencer par le shampoing spécifique pour ce soin-là. Les étapes de soins spécifiques, hydratants et nourrissants, un brushing pour ces Ah là là, le cheveu, le soin du cheveu. Excellent. On y va, on en parle ce matin avec vous. Ça donne quoi? Parfait. Les questions, qu'est-ce qui favorise leur apparition, ces fameuses pellicules? Tout d'abord, je veux juste souligner au fait qu'il ne s'agit pas d'une mauvaise hygiène, comme on a toujours eu l'idée. Mais par contre, c'est vrai que ça peut être inesthétique, c'est un petit peu gênant, parce que voilà, parfois c'est accompagné d'inflammation et d'irritation. Donc on distingue donc deux types de pellicules. Tu as les pellicules sèches et les pellicules grasses. D'accord? Donc les pellicules sèches, c'est toutes, c'est celles qui tombent en neige sur les vêtements qu'on peut voir. Voilà. Ouais. Généralement, on les trouve sur un cuir chevelu normal à sec. Parce qu'au fait, il y a un manque, ce qu'on appelle un manque chronique au fait de sébum qui va un peu craqueler la peau et voilà, donner un petit peu cet aspect-là qui va un petit peu être gênant. Voilà. Les pellicules grasses sont un peu plus sournoises. Voilà, elles sont un peu plus sournoises, un peu plus grasses. Elles sont jaunâtres, un peu plus épaisses. Voilà, et généralement, elles sont accompagnées au fait, comme je disais, donc d'une démangeaison, d'une inflammation. C'est vrai qu'à cet instant-là, c'est là où il faut s'inquiéter. Soit, bon, bien sûr, il faut aller consulter donc le médecin, le dermato. Mais ce qu'il faut comprendre, au fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, en fait, on trouve ces pellicules-là sur la partie, sur le cuir chevelu qui est le plus gras? Parce que, quand même, ça reste un terrain assez favorable. Parce que, bon, c'est vrai que le sérum, il va venir un petit peu protéger la peau. Enfin, on a cette couche un peu lipidique qui est là pour protéger la peau, mais en même temps, c'est on parle au fait d'un petit organisme microscopique, d'un champignon ou d'une levure qui existe déjà sur tous les cuirs chevelus, qu'on appelle le pithyriasis. Merci, pithyriasis. Okay. Voilà. Pithyriasis. Tout à fait. Donc, le pithyriasis, au fait, comme je l'ai dit, on le trouve sur tous les cuirs chevelus. Et au fait, il est dormant, il est inactif. Il est inactif, mais il arrive que, voilà, il décide de se déclencher. Voilà, monsieur le champignon, la levure, décide au fait de se déclencher et de mener un petit peu cette bataille et venir un petit peu détraquer l'écosystème qu'on a sur le cuir chevelu. Voilà, donc qu'est-ce qu'il va faire, ou qu'est-ce que va faire cette levure? Moi, je préfère l'appeler levure. Au fait, cette levure, elle va venir se nourrir, au fait, de ce gras, de cet excès de gras. Et elle va, par la suite, juste pour schématiser, produire des acides, au fait, dérivés qui vont, eux, provoquer, au fait, l'inflammation et la démangeaison dont pratiquement tout le monde souffre. D'accord. Voilà.
C'est dangereux, ça. Oui, ça peut être gênant. Ça peut être vraiment gênant. Parfois, c'est ça très... fait chuter les cheveux ou pas? Alors, ça, dans certains cas. Dans certains cas, mais bon, mais après, je pense que c'est le cuir chevelu lui-même qui est le plus touché par rapport au fait au bulbe, carrément, du follicule pileux. D'accord. Mais alors, moi, ce que je voulais dire, bien sûr, ce qu'il faudrait faire déjà, d'un point de vue local, c'est généralement ce que font les gens, ils vont se ruer pour l'achat d'un shampoing antipilliculaire. Et alors, à ce moment-là, quel shampoing choisir? Alors, voilà. Alors, et moi, à quelle fréquence doit-on l'utiliser? Tout à fait. Donc, sur ce point-là, moi, en fait, je déconseille de se ruer un petit peu vers les shampoings antipilliculaires de grande surface. Pourquoi? Parce que généralement, sur tous ces shampoings-là, on va trouver au fait un composant qui est le SLS, le sulfate ou le SLES. Donc, il faut vraiment éviter ces shampoings-là parce que ça va un petit peu entretenir l'irritation et la démangeaison. Pourquoi? Le SLS, il s'agit d'un petit peu d'un détergent qui va être un peu agressif et qui va un petit peu donc aggraver le cas. Donc, idéalement, on peut trouver ça dans son supermarché ou dans un autre magasin de cosmétiques ou autre. On favorise donc le choix d'un shampoing sans sulfate, d'accord ? Qu'on peut lui donner un petit peu l'aspect antipilliculaire en essayant un petit peu d'ajouter et d'incorporer quelques huiles essentielles, d'accord ? Donc on prend une toute petite quantité, à peu près 25 centilitres de shampoing, auquel on ajoute 2 à 3 gouttes d'huile essentielle. La dernière fois, on avait parlé la semaine passée des différentes huiles essentielles, j'avais parlé du romarin qui est assainissant. Donc là, on peut ajouter cette huile qu'on peut trouver. On parle du tea tree, donc l'arbre de thé, ou bien également du genévrier. Voilà, c'est les 3 huiles qu'on peut utiliser. Attention à ne pas mettre une grosse quantité de l'huile essentielle parce qu'on peut toujours avoir l'effet inverse. Hein. Ça peut toujours être irritant. Voilà, donc on applique ça, on effectue son shampoing. Bien sûr, il ne faut pas frotter, il faut être vraiment très doux avec le cuir chevelu et laisser poser environ 2 minutes. Il faut masser, quoi. Voilà, il faut masser exactement avec le bout des doigts et ne pas frotter. Pas faire le beurre rouge. Exactement. C'est un mot qui m'avait manqué, le beurre rouge. Le beurre rouge avec le char, il faut aller... aller doucement, quoi. Tout doucement. Ça. Sinon, tu as aussi les savons de saponification au premier degré, aussi, ça peut aussi faire... Non, mais à quelle fréquence? En fait, ça dépend des habitudes de chacun. Bon, tu peux laver tes cheveux tous les jours, mais moi, je conseillerais un shampoing espacé de 2 à 3 jours. Voilà. Ah oui, hein. Et parfois aussi, n'utiliser que le shampoing sans sulfate. Ah oui. Oui, oui. On les achète où? Ils sont un peu disponibles sur le commerce, mais c'est la mention. Il faut éviter le SLS et le SLES, je tiens à le préciser. Il y a aussi autre chose, parce qu'au fait, ce détergent-là... Capilène. On fait pas de pub. Ça n'existe plus, tout ça. Là, c'est donc qu'on peut acheter Capilène. Capilène. Ça n'existe pas. Du coup, voilà, je voulais juste aussi préciser une chose, c'est que généralement, ces détergents, les SLS, etc., ont tendance, au fait, à... C'est des molécules qui ont tendance un petit peu à basifier le cuir chevelu. Donc, là, notre cuir chevelu, généralement, il est acide. Donc, pour le rendre un petit peu acide, moi, je conseille également d'utiliser le vinaigre dont on en avait parlé la fois passée, le vinaigre de cidre. Ouais. On peut également, en eau de rinçage, après qu'on ait effectué notre shampoing, etc., on peut, à la fin, effectuer un rinçage donc, qui va aussi, un petit problème peu calmer. De pellicule ou pas? J'en ai eu une fois. Une fois. J'ai consulté, on m'a donné... carrément, vous avez consulté? Oui. Ah, c'est studieux, j'ai envie de vous dire. C'est très bien. Bah oui, c'était gênant au bout d'un moment. Bah oui. Oui. Il fallait, vous savez ce qu'on faisait, nous, au lycée? Non, on se mettait face à la table. Oui. Tu te rappelles? On faisait ça. Et tu veux une tranche ou 2 tranches? Et on remplissait la feuille et tout. Ah, mais c'était des pellicules sèches alors. C'est le plus facile. Ça tombe facilement en j'en ai sur eu. Les vêtements. J'en ai eu. Et sincèrement, ce que je disais tout à l'heure, hein, mon père n'arrêtait pas de me dire arrête, tu te mets les doigts à l'intérieur, tu vas. Qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait tu vas rajouter du gras et tu vas atteindre ton cuir chevelu et ça parce va tomber. Parce que le fait de frotter, même en lavage, quand on lave le cheveu, je tiens à le préciser, déjà pour la quantité du shampoing, il faudrait mettre une noisette. C'est pas la quantité qui va définir le. Donc on met une petite noisette et au fait on utilise toujours au fait les bouts de doigts en massant.
en massant gentiment. Parce que c'est ça. Ce que généralement on fait, on a tendance à gratter avec les ongles. Ouais. Et à un certain moment, tu vas exciter au fait les glandes sébacées, donc elles vont se sentir agressées et elles vont sécréter beaucoup plus au fait de sébum. C'est ça. Donc c'est important d'effectuer des mouvements circulaires. Ouais. Voilà. Même chose pour les pellicules. Oui, oui. Ouais, bon. À une époque. L'anecdote que tu viens de raconter. Ah, toi aussi tu l'as vécu choses, oui. Ah oui, mais c'est fou. Je pense que c'est tout le monde. Ah, je me rappelle d'un camarade qui était expert dans la chose là. Ah oui. Tout le temps. Ouais. C'est généralement les gens qui ont des cheveux assez fournis aussi. C'est là, ça, ouais. C'était ça à l'époque. Là, utiliser le massage avec mes deux cheveux là, bon. Après, ça dépend, ouais. C'est toujours. Ouais. Tu as toujours du cheveu, hein, de toutes les belles. Oui, c'est clair. Surtout au niveau de là. Ce que je voulais dire, les facteurs, tu parlais des facteurs qui déclenchaient ça. T'as vu où des cheveux sur la tête de Miraska? Mais je trouve. Moi, je trouve très beau ce jeune homme. Hein. Regarde, moi, je trouve très beau, sportif, athlétique, intelligent. J'ai pas de problème là-dessus. Mais quand tu lui dis, oui, t'as des cheveux, j'ai des problèmes, tu vois. Mais c'est en train de pousser, là. C'est un cycle qui est en train de. Je pense, oui. Ouais, c'est fou. Ouais, je suis content. Tu veux te faire des implants? Non. 300 dinars le bulbe. D'accord. Je te jure. Hein. J'ai jamais en fait évoqué. Enfin, j'ai évoqué, mais. 300 dinars le bulbe. Ah, le bulbe. En le bulbe. Le bulbe. Hein. Le bulbe. Sans, non, non, avec la main d'œuvre. Avec la main d'œuvre. Oui, mais attendez. Hey, qu'est-ce que tu racontes là? On fait le calcul rapide ou pas? Parce que tu sais combien de cheveux. Il t'en faut 3000 minimum sur ta première greffe. Ouais, ça t'en fait combien? Ça fait beaucoup. 3000 fois 300, ça fait combien? Ça fait 900 000. Alors, on fait comment? J'ai pas encore de chute pour l'instant. Ça dépend de tes priorités. C'est ça. Voilà, simplement. 900 000, j'achèterais plutôt des machines de sport. Le plus important, c'est. Entre autres, je pense. Oui. Ça, par contre. La Gavier. Elle a dit les choses. On fait partie de mon équipe de campagne dans quelques années. Hein. On est d'accord. Elle a retenu. Hein. Mais je peux prendre en charge la maison beauté. Toi, déjà, apprends à t'habiller autrement. Parce que je regardais. Mais tu connais Winston? Charlie Winston? Est-ce que tu connais Charlie Winston? Like a hobo. I am today. Yeah. J'adore la tenue, sincèrement, hein, c'est cool. C'est petit retour d'âge. Ah, l'anglaise, écoute. Allez, on y va, on continue. On finit avec le dernier point. Non, alors je voulais juste donc parler des facteurs. Oui, j'allais poser aussi la question. Alimentation, ça joue un rôle ou pas? Oui, ça joue un rôle. Ouais. Donc les facteurs, on parlait donc brièvement le stress, fatigue. Aujourd'hui, on soupçonne la pollution. Tu as certaines maladies comme le Parkinson et certaines neuroleptiques également qui peuvent aussi être un facteur par rapport à ça. Alors pour revenir à l'alimentation, oui, alors il faut juste savoir qu'au fait quand on mange trop sucré, donc automatiquement on a une inflammation, donc on évite les sucres rapides comme les bonbons, les pâtisseries, les sirops et autres. Et par contre on essaye de favoriser, on privilégie donc des légumes, également des oméga 3. Voilà, une alimentation riche en zinc et en. Voilà, on va favoriser les gras, le gras végétal. Le collagène aussi. Voilà. C'est tout ce qui est structure, protéines. Voilà, les sardines, le cacao également. Et il y a des choses à éviter. Quoi? Le port de casquettes, par exemple, et de chapeaux, utiliser des shampoings décapants, le foulard aussi quand il est trop serré, etc., pour éviter que le cuir chevelu n'étouffe, etc. Voilà. Ouais. On parlait du facteur hiver, le changement de froid au chaud avec le chauffage central. Et aussi, tout ce qui est mousse et gel. Par rapport à la levure, pour qu'elle se manifeste, il y a des facteurs, justement. Le stress, le surmenage, tous ces la facteurs. La sudation excessive. Oui. La diminution de l'immunité dans le corps, c'est elle qui va faire que cette levure va se manifester. Donc le port de casquette, il favorise la chute. Oui. La chute. Mais un étouffement. Oui. Okay. Au fait, tu fais une chaleur et au fait, cette levure, elle va trouver un terrain favorable pour se déclencher. C'est, ça, ouais. c'est un facteur peut-être aggravant. Bon, je dirais pas aggravant, mais qui favorise. Qui parce que tu as une tête à casquette. Oui, je porte des casquettes souvent. Mais tu as une tête à casquette. Il y a d'autres qui n'ont pas de tête à casquette. C'est vrai. Ouais. Moi, par exemple, je peux pas mettre de casquette. Enfin, je la mets à l'envers, mais il faut Darora. C'est quand vraiment il faut se protéger. Les gels, les mousses avec l'alcool. Donc, c'est gentil, merci beaucoup. C'est très bien. Voilà, c'est super, j'ai retenu la leçon. Merci, c'était merci un plaisir. C'était intéressant. Merci à vous. Bon, c'était super. Toi, tu restes? Je reste, oui. On te libère? Parfait. On te libère. Parfait. Docteur, c'était un plaisir. Merci. Alors, je suis un peu schizo, hein. Je passe du vous au tu le plus normalement du monde. Mais en même temps, t'as compris, quand on parle du pro, on repart sur le vous, et quand on pose des petites questions sur le quotidien des uns et des autres, on parle du tu, on utilise le tu. Entre vous et moi. Non, mais l'un dit l'autre.
Allez, je file préparer sérieusement, la suite. Sérieusement, vous allez recopier sur un bout de papier. Je ne parlerai pas tant qu'on ne m'aura pas donné la J'ai parole. J'ai déjà fait la fois passée les 100. Oui, bah vous ferez 200 Mais vous cette les fois-ci. Avez pas fait. vous ferez 200. Ils vont proliférer. Ah si, si, si. Vous allez recopier sur un bout de papier, sur 10 fiches A4, 10 feuilles A4. A4, voilà. Parfait. Je ne parlerai plus, point, sans autorisation. Point, virgule. Non, point, point. P-O-I-N-T. En c'est bleu l'expression. Ou en noir? En bleu. Oui, d'accord, ça marche. Et en rouge pour les 200 suivants. Allez, merci beaucoup. Merci. Pellicule sur la barbe, ça existe ou pas? Bonne question. Je vais me renseigner et vous dire ça la semaine prochaine. Très bien. Merci, docteur Agabi. Merci à vous. Merci, Dia. Merci à vous. Merci. Allez, quant à nous, on va parler sport dans quelques instants avec Jalil Merazka. Avec lui, on va parler de manger sainement et avec plaisir. Et ça existe, à ce qui paraît. On enchaînera aussi avec les deux nouvelles du service des sports. Elles s'appellent Linda Taboul et Sarah Derbel. Elles font partie de la grande famille des Mokhtar Hamani, des Hakim Kishroud, de tous ceux que vous connaissez d'ailleurs et que vous aimez, de notre camarade de Constantine. Et donc du coup, ça, on y revient dans quelques instants. Elles vont faire leur baptême de feu ici dans cette émission pour nous parler sport. Toute l'actu sera racontée par elles. Et bienvenue à vous tous. Sans plus tarder, on va faire un petit tour. Tiens, le café Malakoff, ça vous dit quelque chose ou pas? I'm a tea person. I'm quoi? I'm a tea person. Je suis plutôt thé que the café. Tea. Ils vendent du thé dans ce café Malakoff. Ah, vous nice. Connaissez le café Malakoff? Non. Tu connais? It's my cup of tea, actually. Non, c'est pas la marque du café. Ouais, je sais, je parlais du café. Oui, mais c'est son plaisir. T'as toi aussi J'aime t'été. Le café. Il y a une superbe marque qui s'appelle Mariage Frère. Je peux en parler parce qu'elle n'existe pas ici. Super. Allez, magnifique. Je vous dis, Mariage Frère. Mariage Frère. Mariage Frère. Ok, après tu me donneras les. Ouais. C'est la famille Mariage. Perfect. Ça s'appelle Mariage. Pour le thé? Ouais. Ils font du thé blanc, du thé noir, c'est. Tôt. J'ai trouvé mon plaisir. C'est pas le jus de chaussette qu'on vous vend, hein, les petits trucs. Hein. Non, bien sûr. C'est du high level. Quand tu mets dans la bouche, tu sens quelque chose. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton corps quand il descend. Tu vois le truc, tu sens les saveurs, émotions qui les se dégagent. Parce ouais. que c'est ça le truc quand tu manges. C'est ça. Pour retrouver l'émotion. C'est pour ça qu'il ne faut jamais manger jusqu'à satiété. Il faut toujours manger, c'est laisser un petit bout de plaisir et de désir. Parce que c'est ce qui va vous donner envie de manger encore plus tard. Et c'est un gros qui vous le dit, donc je sais de quoi je parle. Croyez-moi qu'en prise de masse, c'est pas du tout le cas. Quand vous faites une prise de masse musculaire, vous devez manger à satiété. Vous êtes obligé. Ça dépend des objectifs. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu manges des blancs. Tu manges des blancs d'œufs et ce qui va avec. Pardon? Tu manges des blancs et des. Non, et le jaune. Et le jaune aussi. Ah oui. C'est une idée reçue de séparer les. Non. C'est les deux. Et cru, tu le manges cru? Non. Ah non? Je suis pas Rocky. Mimolet. C'est Rocky Balboa qui faisait ça. Attendez doucement. Le même gars qui a découvert le cola à 30 ans, il prend l'œuf cru tous les matins. Sur plan digestif, c'est très mauvais puisqu'il y a une molécule dans le blanc d'œuf, l'avidine, je pense. Qui ne se digère pas. Oui, qui ne se digère pas quand on prend cru. Donc il faut au moins cuire le blanc. Voilà. Ah, le jaune, ça. À la coque. Ouais. Un œuf à la coque. Ah, exact. Et je crois que c'était plutôt comme coque, ça. C'est... Tu crois? Un œuf à la coque, c'est OK. Ça. Alors, café Malakoff, je vais vous faire découvrir ce café. C'est un café historique du côté de la capitale. C'était un bastion des artistes. Alors, vous aviez toute la grande Smala qui défilait, de Hashmi Grouabi à l'Anqa, à tous ceux qui ont fait vibrer la capitale par leur art, par leur intellect, par leur connaissance, enfin, par leur création. Et il a été réouvert. C'est ça la bonne nouvelle. Et vous devriez suivre. C'est un café mort à l'ancienne. Il n'y a rien de luxueux à l'intérieur, mais c'est un véritable musée. Alors le goût du café aussi, t'as l'impression de prendre un café de 1930. Ah ouais. Parce que Rammel. Mais sinon c'est super. Allez, on y va. On se retrouve juste après. C'est Bélé Lamdi qui nous en parle. Café Malakoff, ça c'est une bonne nouvelle pour la capitale. On y va. Ah, c'est bon. Le café Malakoff, situé à la basse Kasbah d'Alger, demeure aujourd'hui encore le point de chute de tous les amoureux de la musique chaabi et d'Alger d'antan. <t'->
Ben pour nous, c'est un lieu très authentique, qui est très agréable et on s'y sent très très bien, c'est chaleureux, on sent qu'il y a une identité forte. Et... On a pu profiter des gourmandises locales et voilà, c'est un plaisir, ça vient corroborer toute la magie qui s'installe dans la Casbah. Très bien. Le café Malakoff était ce lieu de rencontre très convoité par les ouvriers, les artisans et les dockers dans les années 50. C'était un hôtel galerie, comme une galerie, parce que l'entrée, là, il y a deux entrées. Cette entrée en face de la place des Martyrs, si vous avez remarqué que c'est une galerie, et les chambres en haut, c'est des chambres d'hôtel. Donc, c'était galerie du duc Malakoff. كان يقعد على ديال هنايا اللي راه مصورين بالقريب كاع باش العنقه القروابي مبر مكرزه اكسيتيرا اكسيتيرا محصير لعمة ورد عليه درب سنترا قدام محصير كان يريح عليه مسكين الله يرحمه. Ornée de vieilles photos de chanteurs chaabi, d'ustensiles anciens en cuivre, d'instruments de musique, le café Malakoff n'est plus qu'un simple café, hors du temps, vestige d'une époque révolue. Quand on a eu l'anqa, avant le tour, on a eu l'anqa, 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 en 1976, mois de juin. عاود الحاج مقران بحال العنقه في العوينه هذه قال له يا الحاج قال له انا عييت عندي كارو في لافيشري قال له القهوه ما نجبدلهاش قال له اش تولي انت القهوه ولا نبيعها فهمتي العنقه قالوا نشريها عليك 76 عاود ريكيبيريها العنقه. Le café Malakoff sort en effet de sa décrépitude. Le café a réouvert ses portes après une opération de restauration. كنا نبحث على قهوه وقعت في هذه القهوه لقيتها شويه رايبه عندها مده هي مغلوقه عندها كاطون هي مغلوقه ورونوفيتها وخليتها في لاسبي ديالها. Aujourd'hui, ce café mythique de la Casbah des années 50, qui a par ailleurs servi aux Mujahideen et aux Moussabilin, n'est plus qu'un simple café hors du temps que visitent des nostalgiques du Chaabi. والحين تهدى ماشي خسارة فيك ودينا ويا ترميني في الدير علاش دخدر ماشي حق عليك. Voilà, on est de retour. Café Malakoff, ça te donne envie ou pas? Ça donne oui, envie, oui, hein? Oui, oui, oui. Ah, j'ai oublié de citer à Marseille. Enfin, tous ceux qui sont passés par là-bas. Vous connaissez le café Malakoff? Non, non, on ne connaît pas. C'est peut-être l'occasion d'y aller. Ouais. Ça vous arrive d'aller dans des cafés un peu. Non. Un peu moins stylés que. Oui. Un café mort, un peu à l'ancienne. Non, mais c'est très intéressant. Ah, oui. C'est à essayer, d'ailleurs. Non, mais c'est à essayer. Tout est à essayer. Ouais. Tu passes par le parc d'attractions pour aller à Terksraïn et là tu t'arrêtes et tu trouves une baraque et ça s'appelle Cheikh Khaled et tu demandes Rachid sur place et tu prends un café presse et tu sens les vraies choses et c'est pas cher café, en plus. Donc, c'est pour ça. Vous avez quoi? J'aime pas le café. Ah oui, vous pouvez prendre autre chose, hein. C'est votre choix. Bienvenue mesdames, bienvenue sur le plateau. Jelly Miraskan, on va commencer par vous dans quelques instants. Juste, on va présenter nos deux intervenantes du moment. Sarah Derbal, c'est laquelle des deux? C'est moi. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Service des sports, depuis quand? Depuis 2 mois et demi. Et alors, ça donne quoi? Le sport, c'est un manque d'hommes, hein. C'est fou. Mais non. Si, si, pourquoi ça, un manque d'hommes? En majorité, majorité. C'est un manque d'hommes, pas au sens c'est fait pour les hommes, mais il y a beaucoup d'hommes dans le domaine. Il y a beaucoup d'hommes, c'est vrai, et mais on essaye. On s'impose d'être... Ben oui. Facile? Ouais. Vous avez fait des études en? Alors moi j'ai fait des études en sport. D'accord. Et cool, en journalisme en parallèle. C'est bien ça. Ouais. J'ai fait des études. Et vous vouliez faire du... Du quoi? Du journalisme sportif. Du quoi? Bah ben oui, de la cuisine. Bah ben oui. Ouais. Ben oui, puisque j'ai fait des études en sport. Je suis entraîneur de foot. D'accord. Donc, et j'ai fait du journalisme en parallèle. Ben, c'est bien ça. Ouais. Eh bien, bienvenue sur Canal. Merci beaucoup. Ça se passe bien? Très bien. Tranquille? Ouais. Vous avez commenté les matchs ou pas encore? Non, pas encore. Vous faites plutôt du terrain? Ouais.
Reportage, oui, sport co, oui. Sport féminin, sport masculin. Surtout sport féminin. Surtout sport féminin, il faut le mettre en avant. Ben oui. Ah, moi j'ai toujours dit, ben on oui. gaspille des milliards sur du foot, alors qu'en réalité vous avez des volleyeuses exceptionnelles, exactement, vous avez des handballeuses exceptionnelles, vous avez des filles qui font du badminton qui sont d'un niveau extra, mais on va parler que de... Hein, que de babal. Hein, ah, tu oui. vois le gars qui se balade sur un terrain avec du gazon. Les babal, on dirait des moutons, on broute nous, on broute le gazon. Alors du coup, et de l'autre côté, on a Linda Taboul. Alors vous êtes ancienne basketteuse. Exactement. C'est bien ça, vous en avez fait où? Oui, donc j'ai commencé le basket à l'âge de 9 ans, 10 ans. J'étais au primaire et il y avait toutes les filles de mon quartier qui faisaient du basketball. Donc c'était un petit peu le sport à la mode. Ouais. C'était le manda, comme on dit. Donc j'ai commencé avec le club de Raya, qui s'appelait NOR, N-O-R. Après, j'ai un peu galéré pour continuer mon sport, vu que mes parents ils étaient contre un peu par peur pour que j'abandonne mes études. Ah oui, les études c'est important. Ah, oui. Oui, voilà. Mais après, j'ai réussi à les convaincre et j'ai continué. Et aujourd'hui, vous continuez à faire du basket un peu? Non, j'ai arrêté la dernière année, voilà. Dernièrement. Et là, vous arrivez à la télé. Oui. Et vous vous occupez des sports co aussi. Oui. Vous faites beaucoup de terrain. J'essaie de toucher toutes les disciplines. D'accord. Voilà. Donc, je me suis pas encore spécialisée, mais j'essaie de toucher. C'était un rêve, la télé, le journalisme? Ben oui. Ouais. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Ouais. C'est... Sur le terrain, fan... c'est court, Hamar. Et à la télé, c'est le beau geste. De la femme de Iker Casillas, que ça m'a donné envie de changer complètement mes rêves. Ah oui, mais Iker Casillas, il a gagné la Coupe du Monde et il a embrassé sa femme devant des millions, ouais. des milliards de téléspectateurs. Ouais. Bon, moi, je vais pas le faire. Non, mais je veux dire, Iker... Non, pour ceux qui savaient pas qui était la femme d'Iker Casillas, ouais. Et c'est l'ancien Sarah gardien Carbonero, historique voilà. du Real Madrid, ancien et gardien voilà. historique de l'équipe espagnole et plusieurs fois champion du monde, champion... Ouais. J'allais dire champion d'Afrique aussi. et vous rêviez faire la télé? Pardon? Vous rêviez de faire de la télé? Oui. Et vous avez fait des études en? J'ai fait du journalisme. Donc j'ai eu une licence en sciences, l'information et de la communication. Oui. Donc j'ai fait du journalisme. Après, en troisième année, je me suis spécialisée en communication. Oui. Et voilà. Et vu que je fais du sport, donc j'ai choisi d'être journaliste sportif. Eh ben c'est réglé. T'as vu, t'as des passionnés de sport aujourd'hui avec toi, Jennifer Aska. Et on va parler de comment manger sainement. Et en se faisant plaisir, ça existe ça, oui, ce qui oui. paraît. Oui. Et ça donne quoi? Et bon, souvent quand on parle de manger sainement ou manger healthy, synonyme de restriction alimentaire, oui. de bons ou mauvais aliments, donc de privilégier des aliments et interdire d'autres, voilà, donc autoriser, interdire plutôt, je préfère utiliser ça comme ça, et ça c'est déjà mal parti, parce que quand on autorise des aliments, c'est-à-dire on peut en consommer sans modération, ça se passe dans la tête, et quand on dit interdit, c'est à bannir. Certainement, on a dû lire dans des blogs ou dans des articles ou sur internet qu'il y a des aliments à éviter, il y a des aliments plutôt à privilégier. La Croix-Rouge, et les, voilà, on voit souvent sur des banners, et ça mène les gens, généralement, surtout les gens qui ont une émotionnellement fragile, donc qui gèrent mal leurs émotions, donc ils vont vers des aliments qui sont interdits quand on les prive d'aliments. Quand on prend l'exemple par exemple d'une personne, on dit que c'est interdit de prendre Coca-Cola, et dès que l'occasion se présente, elle se prive pendant un moment, et quand l'occasion se présente, elle va en prendre peut-être un litre par jour. C'est un peu cet effet qui peut déclencher une anxiété alimentaire, on appelle ça chez une personne. Oui. Maintenant, on peut manger sainement. Quand on dit sainement, il faut voir ce sain-là ou ce healthy. On peut définir la santé d'une manière à ce que la santé n'est pas que physiologique, elle est aussi mentale. Donc quand on définit la santé c'est aussi le bien-être psychologique, c'est être sociable avec les gens, c'est être en bonne santé sur le plan moral, l'humeur, et voilà, donc être intègre dans la société, et ça va de soi, c'est ça finalement la santé. L'OMS a bien défini la santé en tout cas, ouais. c'est les facultés mentales et physiques, c'est pas que quoi manger, aussi manger, se faire plaisir, justement c'est le thème d'aujourd'hui, et on peut très bien manger, et les aliments qu'on aime bien manger, c'est-à-dire nos préférences alimentaires, ouais. tout en gérant notre quotidien alimentaire, et voilà. C'est-à-dire la notion de se faire plaisir,
Oui. Elle réfère à quoi au juste? En fait, elle réfère... Je me fais plaisir, j'ai envie de manger un burger, pourtant c'est pas sain. Parce que vous dites manger sainement et se faire plaisir. Justement. Alors si on prend l'aspect flexible dans la nutrition, c'est-à-dire on peut la majorité du temps manger des aliments nutritifs. Ça c'est bien sûr encouragé par les nutritionnistes et tous ceux qui prennent justement la nutrition saine, la nutrition humaine, voilà, on dit que manger souvent les aliments qui sont nutritifs pour le corps humain. C'est-à-dire que c'est des aliments vrais qui apportent des vitamines, des minéraux, des choses vraies, des nutriments en fait qui donnent de l'énergie, qui régénèrent des cellules dans le corps humain, qui donnent de la vitalité et tout. Donc c'est des aliments qui sont authentiques. On dit que c'est des aliments que donne la terre ou que donne... voilà. Ils sont nutritifs, mais ce n'est pas des mauvais aliments, comme on a déjà évoqué auparavant. Maintenant, oui, bien sûr qu'on peut manger sainement la majorité du temps. Donc, bon, on prend une journée type, on peut manger les 3 ou 4 repas. En général, en Algérie, c'est 3 ou 4 repas principaux. C'est les 3 repas principaux plutôt, plus un snack ou un qahwa halib, on l'appelle comme on veut. En tout cas, généralement, on mange 3 fois par jour, jusqu'à 4 pour certains, voire même 5 pour... les plus sportifs ou les gens qui ont des objectifs un peu plus poussés dans le sport. D'accord. Ou dans la performance. En général, ils mangent un peu plus, fréquemment. Ouais. Voilà. Donc, je dirais que manger sainement, c'est plus accorder cette flexibilité de temps à autre, c'est-à-dire, pas la majorité du temps, c'est ce que je voulais dire, c'est pas manger ce qu'on veut tout le temps, comme on veut, voilà, donc il faut qu'il y ait toujours cette conscience par rapport à ce qu'on mange, accorder ce... Je dirais c'est 10 à 20% de la ration journalière qui peut provenir justement des aliments qu'on aime bien manger. C'est très important. Prenons la tradition ici en Algérie, la cuisine algérienne, c'est une cuisine qui, enfin, personnellement, que j'aime beaucoup. Voilà. Mais qui reste très grasse. Et qui reste grasse. Après, il faut savoir juste le faire d'une manière à ce que... On dit toujours que c'est le dosage qui fait le poison. Donc, si on sait faire justement cuisiner d'une manière saine, donc on sait faire des choses traditionnelles ou autres, ou des gâteaux, ou autre, d'une manière plus ou moins... moins sucré, moins gras, moins... Voilà. Et ça, sans excès, quoi. Pardon ? Sans excès. C'est toujours... Ça, c'est toujours valable. En tout cas, l'excès, c'est toujours mauvais. Que ça soit bon ou mauvais aliment ou... c'est très important en fait de se faire plaisir et tu as évoqué tout à l'heure le fait de prendre un bon café, le fait de déguster, le fait de mastiquer, de prendre plaisir. En fait, c'est ça le côté plaisir dont on parle. C'est c'est un mélange de gratitude, c'est un mélange d'émotions, de plein de choses à manger. En même temps, être conscient de ce qu'on est en train de faire, parce que beaucoup ingurgitent, beaucoup avalent et non pas. C'est ça, ils prennent pas le temps d'apprécier le goût. C'est ça, d'apprécier le moment aussi, de s'arrêter un instant et de se dire que le repas c'est aussi un moment pour souffler. Ouais, souffler au sens s'arrêter, quoi. S'arrêter, se regarder, manger doucement et sûrement. Vous savez, chez les Asiatiques, il y a la mode de manger et se filmer en même temps. Mais à la base, c'est venu parce que c'était pour eux un bien-être de se regarder et manger. Okay. C'est le moment où ils s'arrêtaient entre eux et eux. Oui, c'est un moment solennel, hein, la nourriture. Ça peut être on peut faire de la pleine conscience en mangeant. On appelle ça mindful eating en anglais. Ouais. C'est manger avec pleine conscience. C'est-à-dire on est conscient du moment présent et de ce qu'on mange en fait. Voilà. C'est surtout ça. Si on aime bien manger cet aliment. Croyez-moi que ça peut être un déclic pour des gens qui ont des objectifs de perte de poids ou de prise de poids, spécialement les gens qui vont perdre du poids. C'est ça. Parce qu'en général, c'est des gens qui ont des perturbations au niveau des signaux de la faim et de la satiété. Et quand on mange, et pour les hyperphagiques, les gens qui mangent rapidement, la faim, on dit entre guillemets, c'est des gens qui ne prennent pas plaisir. C'est des gens généralement qui mangent, ils veulent rajouter, ils veulent encore manger parce que c'est des gens qui prennent pas le temps justement de manger, de bien mastiquer, de saliver, de voilà. Donc le côté plaisir dans l'alimentation d'une manière générale, il est plutôt bénéfique sur le plan psychologique et représente à mon avis, à mon humble avis, 50% de tous ces mécanismes là, hein. C'est-à-dire si on a un objectif, il faut envisager de manger bien, de favoriser les aliments vrais, c'est-à-dire les aliments vrais, fruits, légumes, céréales, produits laitiers, protéines animales et végétales, tout ça c'est les aliments qu'on favorise,
qu'on privilégie plutôt dans notre alimentation, spécialement en Méditerranée. Tout ça, c'est disponible, tout ça, c'est accessible plutôt. Et le restant du temps, c'est bahwahlib, c'est khfaf, c'est de temps en temps un bon gâteau chez... c'est qui ton préféré? La pâtisserie fine. Ouais. Ah, moi, pas de pâtisserie fine. Moi, j'aime bien les cafés morts. Viennoiserie. Café mort, oui. Parce qu'on te vend des croissants qui font cette taille-là à 15 dinars. Ah, ouais. Tu vas dans une pâtisserie fine, on te vend un croissant qui fait cette taille-là à 90 dinars. Ouais. Tu t'imagines ça. Là, tu vas dans un café mort, tu manges un millefeuille qui fait cette taille-là à 25 dinars. Ouais. Tu vas dans une pâtisserie fine, tu manges un millefeuille qui fait cette taille-là à 450 dinars. Là, mon contre, frère, c'est... j'en mange quantité. La qualité, c'est pas mon truc. Je suis pas né dans la qualité. On est pas, enfin, pas tous, mais perso, je préfère la quantité. Je sais pas. Non, mais moi, j'aime bien les cafés morts. Tchir-tchir, mon frère. Ben, c'est venez, ça, je suis d'accord avec toi. Tchir-tchir. Ouais, je suis tu avec prends toi. Ton croissant, tu le mets dans ton café au lait, et puis tu avales, mon frère. Ah, c'est ce que j'ai fait avant de venir. J'ai pris un bon café. Super. Presse et. Et t'étais content. Ouais. Ouais, ben, c'est super. Très content. Très bien, on peut manger sainement. Ça, on l'aura compris. Ouais. Être flexible en fait dans le notre appel, voilà. Notre mais bon, l'essentiel, on s'en souviendra quand même, c'est avoir une petite activité physique. Toujours, ouais. c'est toujours lié en fait. Le sport, c'est plus un besoin, hein. C'est pas optionnel, c'est pas quelque chose dont on. C'est pas un luxe de faire du sport, pas du tout. C'est ça. C'est faire du sport, c'est aussi dans la tête, hein. C'est être actif, être. Le sport, c'est pas négociable en fait. C'est... Vous faites encore du sport, vous? Ben ouais, t'entraînes quel club toi? Pour l'instant, j'entraîne pas, mais je fais du sport, je fais du foot. Ouais. Du foot, carrément. En club? Oui, en club. Ah, oui. Quel club? Boumerdès. Ah oui, quand même. Bon, pour l'instant, je m'entraîne pas beaucoup et tout avec le travail. Bah oui, le temps de trouver les exactement, mes repères et deux tout. Deux mois et demi, après, tu rentres dans un nouveau domaine, tu es obligé de... Et donc tu... après... Et vous jouez à quel poste? Je suis arrière droit. Numéro 2, voilà. Okay, numéro 2. C'était, ouais. C'était qui le numéro 2? C'était Halish à une époque? Non. Halish, c'est Attal maintenant. Ah, c'est Attal. Ouais. Mais avant, moi, je préfère avant. Ah, ouais. Halish était libéraux, je pense. Non, Halish... Il y avait Boukera, je pense. Dans la charnière. Ah, il y avait tous les... Voilà. Ah ouais, quand même. Et c'est bien? Ouais. T'aimes bien ce poste? Ça bastonne, hein? Ça bastonne. C'est là où on frappe. Je frappe beaucoup. Hein. Ah oui, je frappe beaucoup. L'expression du visage le dit dès le départ. Quand on se parle pas, déjà, on sent que... Voilà. Allez, c'est très bien. Vous pratiquez du sport, vous? Pour l'instant, non. Non, mais avant, la dernière activité, oui, c'était du basket. C'était toujours. Du basketball à l'US Mad Alger. Ah ouais, quand même. Oui. Un bon club en plus. Oui. Ah, je suis Sonel Gaz, quoi. Oui, exactement. On les appelait Sonel Gaz, nous, à notre époque. Sonel Gaz, exactement. Mais c'est super. C'est un super club en plus. Mais j'ai arrêté, c'est bon. Ouais. Eh bien, je vous souhaite en tout cas bienvenue encore une fois sur Canal. Toi, tu devrais partir, c'est ça? Allez, je te libère. On merci. Se retrouve samedi prochain. Inch'Allah. Okay. Si Dieu veut, Inch'Allah. Inch'Allah. Si Dieu veut, Inch'Allah, mon frère. Inch'Allah. En tout cas, c'était un plaisir. Merci. Allez, quant à nous, on continue avec vous. Sarah Derbal, Linda Taboul, on va parler sport aujourd'hui. On va revenir aux choses sérieuses. Avec vous, on va vous retrouver à plusieurs reprises dans la semaine. Ici sur Canal, ici dans la matinale, ici. Et on va parler aujourd'hui de foot et les résultats de la Ligue de 13e journée qui sont occupés. Oui, alors je vais m'en occuper. Alors voilà, on va parler de résultats de Ligue 2 qui s'est déroulé mercredi, c'est la 13e journée. Alors Sidi Ahmed Bouraïeb nous a préparé un sujet et voilà, nous a résumé tous les résultats de cette journée. Et la Ligue 2 en images, résumée par nos camarades de la rédaction sport, c'est parti. Leader, l'Olympique de Mdia, battu à Oran par l'Azmo 1-0, ne compte plus que 3 longueurs d'avance sur son poursuivant immédiat, le Wydad de Tlemcen. Un but inscrit dès le premier quart d'heure aura suffi pour les locaux pour engranger les 3 points de la victoire. Le Wydad de Tlemcen n'a quant à lui pas raté la réception de l'USM Annaba pour glaner les 3 points. Un autre prétendant à l'accession, le RC Rilizan, est revenu bredouille de son déplacement à Béjaïa en concédant une défaite face à la JSMB par la plus petite démarche. Le but de la rencontre a été inscrit par Znesny à la 44e minute de jeu. Le Mouloudia Del Elma a été un des principaux bénéficiaires de la journée en ramenant la victoire de son lointain déplacement à Arzeu 1-0. En bas du classement, l'USM Harrach commence à reprendre espoir après avoir remporté son 2e succès de la saison face au Mouloudia de Béjaïa, sans réussir pour autant à quitter la 16e et dernière place. Par ailleurs, l'AMEL Boussaada et le LC Arbaa se sont neutralisés 0-0. Alors que la JSM Skikda et le Mouloudia de Saïda se sont imposés respectivement face au Difa Tajnant et l'AS Kharoub.
Et c'était Sidi Ahmed Bourayeb qui a raconté les résultats de la Ligue 2. On enchaîne avec mesdames. Donc voilà, alors on a vu la troisième défaite pour l'Olympique de Médéa qui reste leader malgré cette défaite avec 28 points. Et on va parler du premier et du dernier du classement en fait. D'accord. Et par rapport à l'USM El Harnach qui a enchaîné avec une autre victoire, oui. Mais qui reste malheureusement à la... USM El Harnach est en Ligue 2 Mais reste au pied du classement, malheureusement, d'accord. Même avec cette deuxième victoire. Voilà. D'accord. Voilà, le Hamas traverse une période un peu difficile cette saison. Ouais. Et ben, on espère. On leur souhaite une bonne remontée. Programme de la journée de Ligue 1, 11e journée, mesdames, c'est parti avec vous. Donc voilà, on va commencer avec le match CRB. L'AS Aïn Mnila, donc le Chebeb de Belouizdad recevra l'AS Aïn Mnila et dans l'obligation d'enchaîner avec un autre succès pour conserver sa place de leader face à une bonne formation de Aïn Mnila. Alors c'est à partir de 15h sur la chaîne nationale. On a aussi l'AS Chlef face au Mouloudia d'Alger, donc c'est le Mouloudia d'Alger qui fera le déplacement à Chlef pour essayer de ramener les 3 points face au Poulain de Samir Zaoui. Voilà, ils vont tout faire. Bon, l'AS Chlef va tout faire pour sortir de la zone rouge parce que c'est un peu difficile aussi pour eux. Ouais. On a la JS Kabylie qui recevra la JS Saoura. Alors, la JS Kabylie qui n'a perdu qu'un seul match à domicile face au Chebeb de Belouizdad. Alors, elle recevra la formation de la Saoura qui n'a gagné qu'un seul match à l'extérieur. Donc, Saoura qui va mal cette année, la JSK qui fait un très bon parcours à domicile. Oui. Et la JSK qui ressort d'une superbe victoire au stade du 5 juillet face au Mouloudia d'Alger. Et d'ailleurs, ça fait très très mal au Mouloudia. Hein, ouais, hein, ça fait très mal. Oui, ça fait très très mal. Donc voilà, cette rencontre sera à partir de 16h. Et voilà. Alors ça, c'est les 4 premiers matchs. Bon, les 3 premiers matchs, parce que le 4e match, bon, en programme, j'ai le NED face au Mouloudia d'Oran. D'accord. Donc c'est un match qui se jouera demain. Donc je vais laisser Linda continuer pour finir avec cette affiche. Donc voilà, merci Sarah. Donc pour le 5e match, on a le NC Magra qui jouera contre le CA Borjbaririj. Après, il y a l'US Biskra, qui recevra l'USMA d'Alger. Ensuite, pardon Linda, c'est un match qui se jouera à huis clos. D'accord. Ouais. D'accord. Voilà, donc ensuite l'US Stef qui sera en déplacement à Alger pour jouer face au Paradou. Et on termine le programme de la 11e journée avec le match de l'USM Blabès et le CS Constantine et qui sera diffusé en direct sur Canal Algérie. Eh bien, c'est dit, ça c'est le programme de la Ligue 1. Et d'ailleurs, on va continuer avec du foot. Et ce qui est bien avec vous, c'est que vous allez nous parler de football féminin. Et on parle du championnat avec la 7e journée. Oui. Voilà, c'est déjà la 7e journée pour les filles. On en parle rarement, vous savez. Nous, on en parle que pendant... Les finales de coupe ou les... Finales de coupe et quand il y a un champion. Ouais. Sacré champion. Eh bien, moi, j'essaye d'intégrer ça. C'est très bien. Mais alors, j'ai assisté hier à une très belle affiche. Oui. C'était entre la SSN et la S Alger Centre. Voilà, donc c'est un derby algérois, on va dire. Donc c'est on n'a pas les images. On va les avoir. Hein. Alors, donc c'est un match qui était en faveur de l'AS. Les voici, c'est fameux. Voilà les images. Voilà, il y avait les deux entraîneurs de l'équipe nationale. Voilà, c'est un match qui était en faveur de l'ASE Alger Centre, comme je l'ai dit. Le premier but a été inscrit par Hamour Amina à la 10e minute sur balle arrêtée. Le premier but de l'AS Sûreté Nationale par Hadjan Kenza sur pénalty. Et enfin, le dernier but a été inscrit par Ornani Khouloud, qui a seulement 17 ans, qui évolue en U17 et en U20 et en senior aussi. Elle fait partie de l'équipe nationale. Donc voilà, elle a inscrit un très joli but à 10 minutes de la fin. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'était une très belle affiche, une très belle rencontre entre les deux, on va dire, les deux leaders. Donc l'Alger Centre a pris la place du leader. La Sûreté Nationale qui n'a pas perdu de match pendant les six dernières. Vous avez joué? Oui, j'ai joué. Ouais, oui. En titulaire ou en remplaçant? En titulaire. Sinon tu casses avec Sinon, exactement. Sinon, je l'aurais frappé. Voilà. Je sais que vous aimez ça, quoi. Vous aimez le foot. Ouais. Je suis une amoureuse du foot. Non, mais c'est très bien. Ouais, voilà.
Alors, du coup, on va passer en handball cette fois-ci, les sports co avec les résultats de la première journée de la division Excellence Dames et le programme de la journée avec vous, Linda. Voilà, donc la première journée de la division Excellence Dames a débuté hier avec deux matchs au programme. Le premier match, c'était entre le CF Boumerdas et le RCD Douchmolat. Ouais. Et le deuxième match à lequel j'ai assisté a opposé le Biar et Bajrah. D'ailleurs, je vous invite à voir quelques images du match. Donc, dès l'entame du match, les filles de Bajrah ont marqué leur entrée avec le but de Saïs, qui a donné confiance à ses camarades. Mais les filles de Biar ont inversé cette mi-temps qui s'est terminée sur le score de 9 à 8 points. En faveur des camarades de Blue Charani. En seconde période, les protégés de Achour ont continué à dominer le match qui s'est terminé sur le score de 23 à 16. Rappelons que ces dernières ont disputé la finale de la Supercoupe qui était remportée par le GS Pétrolier au mois de septembre dernier. Donc c'était le résumé du match. Et on aura au programme 4 matchs. On aura aujourd'hui 4 matchs au programme. Chez les dames, hein, toujours chez les dames. Voilà, exactement. D'accord. Donc le premier sera entre l'US à Akbou qui recevra le HC Mila. Après, on a le GS Pétrolier qui jouera un match face au Zilagin. D'ailleurs, c'est le match qu'on va couvrir moi et Sarah après. Donc tout à l'heure, donc voilà. Pas longtemps. Je crois qu'on est déjà en retard. C'est Abraqi. Ouais, ça va. Samedi, tu roules. Ouais. Donc, voilà. Ensuite, on a le NRF Constantine face au CS Mouloud Mamré. Et le dernier match de cette première journée sera entre le HHB Saïda et la ASF Association de Constantine. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a au programme. Programme pour aujourd'hui, pour le handball. Et d'ailleurs, vous êtes Canal va suivre donc quel match ? On va rappeler juste la fiche. Le GS Pétrolier face à Ouzilagen. Voilà. Ah ouais, quand même. Ouais. C'est la grosse artillerie. Ouais. C'est une machine, le GS Pétrolier. Alors, GS Pétrolier, c'est très bien. Ça forme un peu. Et puis, dès que ça grandit, ça va piocher dans tous les clubs du pays. Exactement. Tous les clubs. De Akbou à Aflou, en passant par tous les villages de Tlemcen, de Djelfa, de Constantine. Et ça vous monte une équipe nationale dans un club. C'est vrai. Et pourtant, vous avez les Elbiar, vous avez des vous avez certaines. Elles sont bien villes. Aussi les filles d'Elbiar. Ouais, vous avez elles les sont excellentes. Vous avez plusieurs régions comme ça qui font, la surprise sans moyens, sans rien du tout. Ouais. C'est fou. Hein. Et on finit avec les sports mécaniques. Sport mécanique et la course de drift qui s'est déroulée à Béjaïa. Ouais, voilà. Donc la fédération algérienne a organisé. On va dire deux compétitions, la première qui s'est déroulée à Béjaïa et la deuxième sera aujourd'hui. Ouais. Donc la première, c'était une course de drift, pardon. Donc c'était le 16 de ce mois. Donc je vous laisse regarder ce sujet, comme ça vous aurez une petite idée de ce que j'ai préparé. Il faut rendre à César ce qui lui revient de droit. Bah oui, ouais. Bah oui. Il faut rendre à Cléopâtre ce qui lui revient de droit aussi. Allez, c'est parti, il est signé Sarah Derbal. Un sport qui nécessite l'emploi de véhicules motorisés. Il existe plusieurs formes de compétition, parmi elles le drift. La Fédération algérienne des sports mécaniques a organisé une course de drift à Béjaïa. En réalité, il y a plusieurs disciplines. Il y a le car park drift, il y a le drift gymkhana, il y a le twin drift. Donc, quand nous au Japon, quand nous au Japon, quand nous déroulons le twin drift sur des routes sinueuses. Bah, ou là, peut-être blâcher, ou là, ils déroulent dans des parkings, ou là, c'est une discipline officielle de la FIA. L'organisation, comme tu fais, alhamdoulilah, c'est très bien organisé, malgré qu'il y a un chute, mais ça ne gêne pas parce que ça fait partie des enjeux de l'esport mécanique. Une compétition qui a regroupé 10 voitures à l'université de Béjaïa, où les amoureux de ce sport sont venus nombreux pour assister à cet événement. Même Nakidina la première fois, on ne s'attendait pas que Rahim Chouro à ce point-là. Maintenant, c'est dans le sang, c'est une adrénaline. Le drift est l'une des disciplines de sport automobile dans laquelle le pilote contrôle le véhicule pour qu'il glisse d'un côté à l'autre de la piste. La finale de cette course a opposé Mazouz Naïm de Bouzamera et Ayoub Abbes de Chiraga. Ce dernier a remporté la première place de cette compétition. Le niveau des pilotes a changé. Au bout d'une année,
قال لي بيلوت تبدلنا كاع كنا نسوقوا دون فاصون خدمنا طوموبيلات تاعنا وتعبنا والحمد لله كاينه ريزولتا يعني منافسه صح قويه ان شاء الله. ما احنا كاع كنا في الطريق وكنا نلعبوا شغل هذا الاول شحال من خطره راح بيرمي مناوره خطيره سي سكي بوس فريمون فير ان تروك انكادري اي ديسيبليني. Une deuxième compétition est inscrite au programme de la fédération durant la deuxième quinzaine de ce mois. Il s'agit d'une course sur sable de motocross dans la ville côtière de Zemmour. Elle était jolie la petite sur le, ouais, sur le, très jolie, sur le très fauteuil mignonne, comme ça, Sparco. Toute mignonne, ouais. Ouais. Donc on va juste rappeler que voilà, il y aura une deuxième course aujourd'hui, Ouais. Donc c'est une course côtière à la ville de Zemmoury, mais cette fois-ci c'est une course de motocross, voilà. D'accord. Pour les amoureux de sport mécanique, et ben ils seront servis. Voilà. On rappelle juste la Ligue 1 avec les matchs d'aujourd'hui. Donc voilà, on a dit que la Ligue 1 reprenait aujourd'hui. Alors on a le CRB, l'AS Ain Mililas à partir de 15h sur la chaîne nationale. L'AS Chlef Mouloudia d'Alger, la JSK face à la JS Saoura, le NC Magra, Kababord Bouareridj, US Biskra qui recevra l'USM Alger, le Parado Athletic Club qui recevra le SS Sétif. Et enfin, l'USM Bel Abbès face au CS Constantine sur Canal Algérie. Voilà. Et, le dernier match, il sera pour demain. C'est le Nassar Hussein Day face au Mouloudia d'Oran. Voilà. C'est noté, c'est très bien. Quant au Sport Co, le handball avec vous, Linda. Voilà, on rappelle les principales affiches. D'accord, donc on a aujourd'hui l'US Arbo qui recevra le HC Mila, le JS Pétrolier qui jouera face au Zlagen. On a le NRF Constantine face au CS Mouloud Mamré. Et le dernier match, c'est entre le HHB Saïda et l'ASF Association de Constantine. Et on rappelle que vous allez couvrir quel match ? JS Pétrolier. Ah bah oui, c'est choisi la crème. Et ça joue à Braqué. On va juste donner trois matchs internationaux. Oui. Voilà. Ça concerne aussi nos joueurs internationaux. On a le Milan AC face au Naples. C'est, on a Ben Nasser au Milan. Ça sera à partir de 18h. Et on a aussi une très belle affiche Manchester. On n'avait pas un joueur à Naples. On a Roulam. Roulam est blessé. D'accord. Donc il est toujours blessé. Donc on a donc aussi. C'est Benassal contre Roulam, même si Roulam est blessé. Voilà. On avait Ounes, mais maintenant il est à Nice. Ouais. D'ailleurs, on a un match Lyon-Nice. C'est une très belle affiche. On a Boudaoui et Ounes. C'est à partir de 17h30. Et pour la première ligue, pour les amoureux de Mahrez, on a Manchester City face Chelsea. Donc c'est une très très belle affiche. Ça super. Sera à partir de 18h30. Voilà. Et ben voilà. Man City face Man City, à Chelsea. Voilà. Et on rappelle Boudaoui Nice. Hein. Moi, je ne vais pas te dire ce qu'ils t'ont dit. Je ne vais pas te faire pleurer, mon frère. Mais en même temps, mon frère, je suis très content pour toi. Et tu le mérites. Il le mérite tout ça. Ouais. Mais ça mériterait aussi qu'on mette des projecteurs sur des lutteurs, sur des judokas, sur des boxeurs, sur des handballeurs, sur des volleyeurs, sur un ensemble d'activités qui, elles aussi, ont du potentiel, qui, elles aussi, génèrent d'ailleurs des médailles, mais dont on parle très peu. Merci à vous. Vous souhaite bonne route pour Braqué. Merci. Et puis, bon samedi. On se reverra forcément très bientôt. Inch'Allah. En tout cas, bienvenue sur Canal. Bienvenue avec toute votre équipe. Merci. Avec Smeb Khaidiya, avec Hakim Keshroud, et que j'embrasse très très fort les deux d'ailleurs. Avec Mourtar Hamani, avec Faisal Hafaf, avec tous ceux que. Avec Nourdin Hamani. Halima Oushi aussi. Halima Oushi aussi d'ailleurs qui est avec vous. Et le jeune nouveau qui est avec nous, c'est Ahmed Bouraï. Bienvenue en tout cas. Je vous souhaite beaucoup de succès. J'espère que vous allez concurrencer les autres. J'espère que vous allez vous donner à fond et que vous allez redonner les lettres de noblesse au service des sports de Canal. Allez, quant à nous, c'est déjà fini pour nous. Merci à tous. C'était un plaisir. Tu sais, je vais te raconter une petite histoire. Mais je n'irai pas avec parce qu'on se retrouvera dès demain. Mais tu sais, c'est quand tu sais qu'il ne te reste presque plus de pain que tu l'apprécies. Au revoir. Thank you.